Salut à tous, c'est Alpha. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une figure qui est assez simple. C'est l'une des figures de base du pen spinning et pourtant, elle est très esthétique et servira beaucoup à impressionner tout votre entourage. C'est parti pour apprendre le sonic. Le sonic, c'est cette figure-ci. Vous voyez, ça tourne beaucoup, c'est joli. On commence ici, donc au centre de la main, et on va faire un pass comme ceci pour récupérer le mode en haut de la main au final. Quel est ce pass exactement? On va venir le passer en baissant notre majeur et en venant récupérer le stylo avec l'index. Quel est le mouvement sans le mode pour que vous compreniez mieux? Simplement, on baisse notre majeur. Et on ne bouge pas vraiment les autres doigts. Si dans un premier temps, vous voulez juste maîtriser la figure et pas que ce soit une belle rotation, c'est tout à fait possible en utilisant cette technique. Vous faites reposer votre mode derrière votre pouce. Là, vous forcez avec votre doigt et à un moment, hop, vous allez lâcher. Et vu que vous forcez, paf, on va essayer, avec la force qui est mise, de venir baisser et ça va venir tout seul comme ça. Paf. Regardez au ralenti si vous voulez pour comprendre mieux. On lâche le mode. Il vient ici en baissant. On remonte. Et voilà. Cette figure n'est pas à confondre avec le pass. Le côté bleu reste toujours à droite. Tandis que si on fait un pass, qui est cette figure-là, eh bien, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Si vous voulez plus de détails pour apprendre le sonic, n'hésitez pas à regarder ma vidéo longue sur le sujet. Il y a beaucoup plus d'astuces. Je vous dis donc rendez-vous sur cette vidéo si vous n'y arrivez toujours pas. Et sinon, je vous dis bonne chance pour le reste de l'apprentissage. Abonnez-vous pour les nouvelles vidéos et à très bientôt. Ciao.